Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le sujet du homard. Donc il y a déjà eu une première vidéo où on voit comment décortiquer le homard et réaliser la bisque. Deuxième vidéo avec la mise en bouche qui est la tempura et la sauce tartare. Et donc dans cette troisième vidéo, on va voir comment réaliser une cassolette de homard avec une noix de Saint-Jacques, quelques petites morilles et le petit jus qui va bien. C'est un plat qui est assez facile à faire pour les fêtes et vous pouvez même le préparer à l'avance. Allez, on regarde ça tout de suite en détail. Alors voilà ce qui reste de notre homard une fois qu'on l'a décortiqué et nettoyé. On a coupé les queues en deux pour enlever l'intestin. On a ici les trois pinces broyeuses, ici les trois pinces coupantes et ici donc ce qu'il y avait les petits restes et ce qu'il y avait à l'intérieur des pâtes. Alors en termes d'organisation pour notre menu, les pinces broyeuses plus une demi-queue vont nous servir à faire donc la partie un peu rôtie avec la polenta. Ici, les pinces coupantes nous serviront à faire la tempura. Avec l'autre demi-queue, on va faire la cassolette. Et pour terminer, avec cette partie-là, on fera les ravioles. Alors j'ai utilisé ici des morilles déshydratées. Et donc je les ai réhydratées dans de l'eau pendant au moins une petite heure. Et surtout, on conserve l'eau de réhydratation. Donc ici, on a ciselé une échalote qu'on va venir faire revenir avec nos morilles. Et donc on aura besoin d'une demi-queue de homard ainsi que d'une belle noix de Saint-Jacques par personne. Et de cette belle bisque de homard qu'on aura réalisée à l'avance. Donc on va tout de suite procéder à la cuisson de nos morilles. Donc dans du beurre moussant, on va mettre tout de suite donc notre échalote et nos morilles. Donc on va les faire revenir pendant une bonne vingtaine de minutes. La morille, c'est un produit qui a besoin de pas mal de cuisson. Donc là, si on le laisse juste dans du beurre moussant comme ça, ça risque de cramer, donc on n'hésitera pas. Et on rajoutera un peu justement d'eau d'hydratation. Ça permettra donc de renforcer le goût de la morille, puisque l'eau d'hydratation a du goût de morille. Et donc ça permettra aussi que ça n'attache pas au fond de la poêle. Donc on remue régulièrement. Et dès qu'on a à peu près atteint une vingtaine de minutes de cuisson, et ben ça sera prêt. On n'hésite pas. On assaisonne, on sale et on poivre. On rajoute une petite louche d'eau de réhydratation et on termine la cuisson. Dans du beurre mousseux, on va faire revenir nos noix de Saint-Jacques. Donc on va les faire revenir une minute trente par face, qu'elles soient bien colorées. Vous avez ici un visuel du résultat final. Et donc maintenant, on va pouvoir procéder au dressage. Donc on met ça dans un joli récipient adapté. On va venir recouvrir d'une belle louche donc de bisque de homard. Et on va ajouter donc nos trois morilles par personne. À partir de maintenant, donc c'est prêt et on pourra pouvoir le réchauffer au four tranquillement puisqu'on peut le préparer à l'avance, comme je vous l'avais dit. Donc on le réchauffe dans un four à 80 degrés et donc on n'hésite pas, on touche avec son doigt pour voir si c'est chaud. Donc il faut compter quand même une petite demi-heure à 80 degrés pour que ça monte en température. On vient finir de décorer notre plat et ici je le décore avec des fleurs de pensée. C'est très esthétique et très bon. Et bien voilà, vous venez de voir comment réaliser cette belle cassolette de homard avec Saint-Jacques, la bisque, les morilles. Ça vous permet vraiment de réaliser une entrée magnifique pour les fêtes. Alors certes, c'est un peu onéreux, mais là on a vraiment quelque chose de très complet. Pour la bisque, vous pouvez vous en servir pour plein d'autres utilisations. J'ai d'ailleurs fait d'autres recettes autour du sujet du homard. Vous pourrez aller y jeter un coup d'œil et m'en dire des nouvelles. Alors l'avantage de cette cassolette homard, noix de Saint-Jacques avec la petite bisque et les morilles, c'est qu'on peut le préparer à l'avance. Donc comme ça, pas de prise de tête. On le réchauffe tranquillement dans un four à 80 degrés. Pas d'obligation bien entendu, vous pouvez aussi le préparer minute, ça ne changera absolument rien. Les deux sont possibles et ça vous permettra de mieux profiter de vos invités. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.